Bienvenue au lycée des Sicaudières, donc une ferme de polyculture élevage de 90 hectares. Elle vend des vaches à viande, des ovins et de la volaille. Donc nous sommes sur un terrain granitique très superficiel, donc des sols de sable qui ont une réserve utile d'une vingtaine de millimètres. Et donc nous sommes impactés régulièrement par des sécheresses estivales, donc c'est-à-dire qu'à partir du 15 juin jusqu'au 15 septembre, nous ne pouvons plus faire pâturer. Sur la ferme des Sicaudières, nous cultivons aussi depuis plusieurs années le métail pour implanter les prairies à l'automne. Mais cette année, nous avons décidé en fait de tester 6 mélanges différents pour optimiser en fait la valeur alimentaire de ces métails récoltés, donc sous forme d'enrubanage, pour alimenter les troupeaux autant ovins que bovins. Mais en période à la fois estivale, c'est la période où il nous manque du fourrage et on a le plus grand besoin. Et pour les ovins, en période de lactation. Depuis 6 ans au Sicaudières, nous utilisons du bois broyé pour la litière des animaux, donc ce qui nous permet d'économiser 60 tonnes de paille. Donc ce bois est essentiellement issu des haies de l'exploitation. Qui sont gérés à partir d'un plan de gestion, ce qui nous permet de gérer la ressource au mieux et donc de renouveler celle-ci sur une vingtaine d'années. Et aussi de permettre un retour de la matière organique au sol, qui est très importante dans nos sols sableux granitiques. La nouvelle bergerie des Sicaudières, qui a été livrée l'hiver dernier, a été adaptée au changement climatique et notamment au coup de chaleur estival. Donc pour ce faire, nous avons mis en place une ouverture intégrale sur le côté sud par un rideau et de l'autre côté, au côté nord, un claire-voie à voie variable qu'on peut ouvrir ou fermer à la demande. À cela se rajoute l'isolation du toit qui limite le rayonnement du soleil et de la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Et donc tout ceci, cette bergerie participe à tous les systèmes qu'on a pour protéger les animaux de la chaleur estivale, donc avec l'eau vie fraîche au pâturage et tout le réseau de haies que l'on a sur l'exploitation.